Oh, je suis là. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à ce match du Way of Power. Une compétition de singles monotype organisée par Chaps et Zach. Je suis super excité de faire cette compétition-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu Dark. Et Dark est, ma foi, très broken. Donc, on affronte mon chum Bobby. Bobby, Guillaume, si je l'appelle pas Bobby puis ça l'énerve. Mais il y a Flying et moi j'ai Dark. La compétition est assez lousse, je peux changer de team à chaque battle et on peut amener un Pokémon qui est pas de notre type. Donc j'aurais pu amener, mettons, j'aurais pu amener Breloom puis je l'aurais pu le Terra Dark, mais j'ai pas le choix de le Terra dans mon type. Donc il y a pas de surprise dans ce côté-là. Moi, j'ai décidé d'amener des Pokémon que je trouvais drôle à jouer un petit peu, là. Genre, Bombardier avec Rocky Payload, je le trouve cool. Ça y ajoute un Stab Rock, fait que vraiment utile. J'ai amené Billy Bolt aussi. Billy Bolt va être mon Terra Captain. Il va Terra Dark, mais je le trouve vraiment drôle. C'est un de mes Pokémon favoris en Gen 9. Et j'ai vraiment hâte de le voir ce qu'il va faire. Là, je suis déshydraté un petit peu. Fait que là... je vais regarder voir ce que Guillaume va amener. Fait que nous, on y va comme ça. Je m'attends potentiellement à genre... peut-être bien... tu sais, Breviary, je passe après Close Combat. Scyther, Corv... Alucha, c'est vrai. Alucha, Iron Gigulis, Mascarin. Mascarin qui a Intimidate. Bon, plus de sa part pour de vrai, là. Kakweval, c'est vrai. OK, je suis pas sorti en esti de... du bois. Mais... je vais revenir, ce sera pas long. On analyse pompette à soi. Ben écoute, ce sera pas vraiment compliqué. Je vois Kitar right off the bat. Pourquoi? Ben je veux mettre des rocks. J'ai quand même amené deux mondes qui ont. Trois mondes qui ont quadruple weakness à fight. Fait. Kakweval va être ma foi très tannant. Néanmoins, j'ai Bombardier pour le handle. Je me rappelle plus trop c'est quoi qu'il y a Bombardier comme move là, mais j'ai Brave Bird dessus, fait heureusement. Bombardier Scar va vraiment être très solide ici. Ou même, potentiellement, genre mon Roaring Moon. Très solide aussi. Donc, bon match à tout le monde à la maison. Tu sais, on va mieux me voir la tête comme ça. C'est Alucha de son côté. Ok, je vais mettre mes rocks. Rien de trop compliqué, là. Je vais pas casser la tête. On est au niveau 100. Je sais pas si c'était censé être level 50, mais bon, on va laisser ça de même. Tout le monde est niveau 100 anyway, là. J'avais pas remarqué qu'il avait choisi cette rule 7 là. Je pense pas que ça dérange, honnêtement. U-turn. J'ai pas fait de call Kinway. Si j'avais fait des calls, je me serais dit, ah, ta bank là, c'est vraiment important. Iron Knight. Ça, c'est son. Corvik Knight qui a sûrement des fog. Vilain lag. Tabarouette. Mon ordi a un petit peu. C'est définitivement des fog ici. Définitivement des fog. J'en profite-tu pour juste setter mon... j'ai pas Defiant, tout ça qui est plate, ça a été vraiment solide. Je vais y aller avec... on se reçoit pas le basic, là. C'est un match pour le fun, puis une compétition pour le fun aussi. Ben, pour le fun, c'est une compétition sérieuse, mais je veux avoir plus de plaisir. C'est sûrement des fog, là. On active notre attaque, c'est ça? Exactement. Body press, et non des fog. Ok, fait que bon play de Guy. Je pensais qu'il y avait des fog. Mais bon, c'est pas le cas. J'ai rien fait un fang. J'ai peut-être fait un overread ici. Ça sera pas, évidemment.
Il rockait le mettre, U-turn. Il va me tuer. J'ai vraiment mal joué, sérieusement. J'ai ça, je veux contre Geek, parce qu'il fait jamais les jeux que qu'il est censé faire. Fait qu'il est censé. Il n'y a pas de jeu qu'il est censé faire, mais il est vraiment imprévisible. Voyons voir. En tout cas, moi, j'ai les rocks pas trop pire, puis pivote pas mal, là. Iron Cut, c'est Alucci aussi, je pense. Non, c'est Scissor. C'est Scissor. Bon. J'ai quasiment eu le goût de ramener, genre, mon copain Peter, puis de juste faire Avalanche. Je suis déjà plus slow anyway, fait que s'il m'attaque, il fait des fog. J'ai pas de problème avec ça, je vais pas aller replacer les rocks au pire. Ça tue pas. Je vais replacer Rocks. Defog. Il y a plus de ça. Il y a plus de sensor finalement. Ben écoute, je pense que je vais juste Avalanche. Il dit fuck encore. Ça me dérange pas. On va juste se débarrasser du scissor. Puis au prochain month, j'ai une Chapel Berry. Fait que j'aurais être bon pour vivre un hit. Avalanche. C'est parfait. Ça regarde pas très bien quand même. J'ai perdu Roaring Moon assez de bonheur. C'est vraiment agressif de Hard Switch sur là-dessus, par exemple. Voyons voir. Le loup hésite. Iron Knight, c'est le Corviknight. Knight. Je vais mettre des rocks. Il fait un bon play. Bon play. Hey, il joue vraiment bien. Il a l'air prêt, sérieusement. ok. Don't. C'est pas grave, écoute. Il va sûrement me body press, fait qu'on va faire un avalanche. Roost. Pourtant, il m'a pris quasiment tous les tours, c'est assez impressionnant. Ça fait que dalle en plus. Not very effective. Pourquoi ça dit effectif de base, bien con? J'ai pas un truc sur rien, fait que. Allons-y comme ça. U-turn. Il y a quelque chose qu'il appréciera pas, là. Stone Edge. Fait que ça me convient sur 500. C'est tellement que c'est Alucha également. Néanmoins, je pense que si je me set, je peux reverse sweep avec potentiellement King Gambit. Mais son Convict Knight va vraiment être dur à tuer. J'ai pas Iron Mask. Tout des iron quelque chose. C'est ton edge qui lent. Ça va pas chercher de KO malheureusement. Je sais pas mal que c'est suffi. J'ai le goût de juste. Je vais essayer de mettre des rocks. High jump kick. Ce serait vraiment sick qu'il miss, mais il miss pas. Parce que je consomme ma berry. Et je ne survis guère. Bon. Je veux pas de damage initial sur Billy Bolt. J'ai pas U-turn dessus. Oui, que Weavile, ça regarde vraiment mal. Après moi, je vais perdre. Oui. Je suis adamant en plus, fait que. Je vais me lock dans Ice Shard. Si il switch, écoute, il switch. Sinon, il joue vraiment bien à date. Bon, fait qu'on va se débarrasser du Alucha. Ça va sûrement être Corviknight qui va s'amener
Ça va être très difficile de s'en sortir, honnêtement. J'aurais peut-être dû amener Aaron Gigoulis aussi comme Aaron Knight, c'est le Corkner encore. On va y aller avec le bon Birdier, je pense. Et Noé, ça ressemble pas à être une losse. Surtout qu'il doit avoir un mon avec un sash là-dedans. Body press. C'est pas si pire. Écoute, on va juste le lock dans Stone Edge, I guess. On land. Ça fait pas grand chose, puis c'est un crit en plus. Corey Knight est vraiment cancérigène, sérieux, c'est l'enfer. Stone Edge qui va miss. C'est un move que je miss souvent. Double click sur Taunt. Ok. On va juste cliquer sur Stone Edge encore. Écoute. Là, je le pogne sur un Roost, là, mais Stone Edge qui land. Ça fait pas grand chose. Roost. Il va juste Roost tout le temps, puis je ne serai pas à le tuer. Ça va vraiment être lourd. Hein. Écoute, je vais faire un read. On va Stone Edge encore. Puis là, il va sûrement attaquer Body Press. J'ai pas le goût de prendre le risque qu'il va. Je mets ça encore. Ah si j'ai ça, Stone Edge. Body Press, ok. J'ai bien fait de pas switcher sur Billy Bolt. Là, il est quand même low. J'ai pas chose d'y aller Billy Bolt. On va perdre ce match-là. On va Terra, nous, puis je vais me lock dans Parabolic Charge, je pense. Écoute, je suis Specs, puis j'ai Electromorphosis, fait que j'ai pas le choix de Terra, malheureusement. Mais, lui, il y en a sûr un Pokémon qui est pas Flying. Il nous a taunt. Moi, je suis bien à l'aise avec ça parce qu'on prend pas de damage. Là, c'est Kakweval qui me gosse, par exemple. Surtout s'il est genre sash. C'est sûr qu'il y a un sash à quelque part. Hein. Avec Parabolic Charge, moi, je me soigne. Fait que voyons voir. Je pense qu'il y a pas de... C'est le masque hein. Parce qu'il fallait un Pokémon qui n'était pas de notre type, fait. Ah, c'est Kakweval. C'est Kakweval, ouais. C'est Kakweval. Écoute, je vais juste... Je suis là dans Parabolic Charge. Anyway, Quiver Dance. OK, c'est... ça me dérange plus ou moins. Je suis quand même Specs, là. On va quasiment chercher. J'aurais dû switch out ici, c'était vraiment con, j'aurais dû switch out. Mais le fait qu'il me donne cette opportunité-là, je suis plus optimiste. Il y a une possibilité. Energy Ball. OK. Fait que nous, on va se reprendre la vie. Mais pas gros, là. Ça va être cool que ça tue tantôt, mais ça l'a pas fait. J'ai quand même max HP. C'est vrai qu'il y a pas les rocks parce que là, il va avoir un sash potentiellement. Ça va être serré en tout cas.
Voyons voir. Iron Legion, c'est son chose digulisse sûrement. C'est encore une fois parfait parce qu'il me donne l'opportunité de me healer. Bon, photo, prothésiste. À moins qu'il y ait un move super effectif pour me toucher, là, mais... Je suis max XP, fait que je suis vraiment optimiste que Air Slash, ça tuera pas, il faut juste pas de flinch. Si j'ai un flinch, je suis vraiment pas chanceux. Ouais, let's go, ok. Fait que Parabolic Charge, on va aller chercher, puis on va se healer, genre, quasiment au complet. Non. Je pensais que j'allais plus me healer que ça, mais en tout cas, au moins, il sac des trucs. Parce que je crains pour un Cacquevol, genre, faut que je sache, fait que, genre, au moins, j'ai de la priorité. Iron Legs. C'est son Cacquevol. Écoute, je vais tout simplement... Il n'y a pas choix de Terra Flying en plus. Fait que je vais tout simplement me look dans Parabolic Charge. Je pense que dans ce range-là, il va me tuer, par exemple. Pas mal sûr, là. Mais je peux pas se faire sur rien, fait. Je vais me look dans Choice Band Ice Shard. Après, il y a la possibilité que je win, finalement. Close Combat. Ah, malheureusement, Billy Bolt meurt. Là, il y a un Moxie. Bon, fait qu'on est mort. Y a-tu Scarf ou pas? Je prendrais pas le guess d'un coup qu'il y ait Scarf. Parce qu'ici, mettons qu'il y ait Scarf. On va y aller avec... je vais faire Ice Shard quand même. Parce que je l'aspire sûrement, mais si, mettons, il est Scarf, je perds là-dessus. Fait là, il reste juste lui, en fait. OK, fait que ça regarde quand même bien, parce qu'après ça, j'ai Sucker Punch dessus. Fait qu'on va slug dans Ice Shard. Il était Scarf. Fait que j'aurais pu True ici en cliquant pas sur Ice Shard. Exemple que je me dis, il est sage, ben avec l'Ice Spinner, il me tue, puis après ça, ben, t'as bien King Gambit avec Sucker Punch, je ne le tue pas. Fait que, ok, ouf. Je pense qu'il aurait pu win s'il avait pris, il avait amené Cacquevol plus vite, honnêtement. Mais j'ai eu vraiment chaud, Billy Bolt, grosse job. Fait qu'on passe au deuxième tour du Way of Power. Grosse game gig pour le reste, c'était vraiment nice. J'aime toujours ça d'affronter mon chum. Donc, pour les prochains matchs, je vous invite évidemment à subscribe au channel et à laisser un j'aime sur la vidéo. Et on se dit à la ronde 2. Ciao, guys!